Club tout le monde, c'est Olivier, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert Online pour la petite vidéo du mercredi sur les events qui nous sont proposés à partir d'aujourd'hui. Donc, nous en avons plusieurs. Alors, à partir d'aujourd'hui, déjà, vous avez le calendrier BDO 2019. Alors, je vais le survoler, ça, parce que il faudra que vous alliez voir si ça vous intéresse de le faire, parce que ça a l'air assez spécifique. Donc c'est très simple, en fait il suffit de faire des screens et que vous les envoyez à BDO, et BDO fera après on votera, soi-disant les joueurs, nous on votera, on pourra voter pour désigner les meilleurs. Donc on peut en envoyer trois par saison, donc vous avez les saisons ici, voilà, et donc il vous suffit d'envoyer vos screens là-bas. Il faut utiliser apparemment ça. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est un super logiciel. Donc du coup, ça va fermer ma fenêtre, c'est magnifique. Bon, on est revenu. Donc du coup, voilà, il suffit d'utiliser. Excusez-moi. C'est l'hiver. L'hiver est arrivé. Donc du coup, il suffit de faire des screens et les envoyer trois par saison. Et vous gagnerez si vous êtes sélectionné. Si vos screens sont sélectionnés, vous aurez des lots. Donc les 12 grands gagnants, ils ont déjà la capture d'écran publiée dans le calendrier 2019. Un exemplaire du calendrier. Donc ça veut dire qu'on aura un calendrier sûrement à acheter ou une connerie comme ça. Ça m'étonnerait qu'il l'envoie à tout le monde gratos. Un value pack de 30 jours, un combat de scellé, cam massive et le titre. Et pour les 48 autres, il y aura juste un bouquin et un cam massive. Donc ça, c'est pour l'event du calendrier 2019. Après, nous avons tout simplement la mage de la boutique, vu que c'est le Black Friday. Que vous dire moi, donc. Vous avez des montures, des promos, voilà, c'est tout simplement des promos. Vous avez aussi le nouveau servant, ça sera pour cette fois-ci un homme. Nous avions que des bonhommes, donc des bonnes femmes, donc du coup maintenant nous avons un bonhomme. Et donc, autre event intéressant, pas trop mal, c'est chaque atout, tout ce qu'il vous faut. Donc c'est via la boutique, via le F3, vous pourrez dépenser vos silver pour acheter deux bo alors une boîte. Mais vous avez le choix entre deux. Donc, vous avez le choix entre la boîte de rareté de Chakatou, la bleue, on va dire. Vous pouvez en acheter 5. Moi, vous verrez dans la vidéo, j'ai acheté la bleue. Du coup, vous verrez ce qu'il y aura. Et sinon, vous pouvez acheter une seule exemplaire par jour et par famille de la grosse boîte dorée. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ah, les cadeaux, vous les verrez quand vous serez sur la boîte. Il y a des trucs très intéressants, comme il y a des trucs bien pourris. Vous verrez aussi sur la vidéo quand j'ouvre les boîtes. Donc, tout simplement, il y a ça. Après, vous avez l'œuf en noix d'or. Tout simplement, esprit occulte, virgule. Et on lance l'esprit occulte, il nous donne la quête dans suggestion, la quête de l'événement qui vous dira d'aller à Florin. Et Florin, vous accomplissez les quêtes de Malte. Et Malte, à la fin, vous pourrez la faire deux fois la quête, hein, c'est écrit. Vous verrez sur la vidéo des quêtes. Moi, j'ai été surpris qu'il y en ait deux fois, mais en fait, c'est juste que j'avais pas lu avant. Et donc, du coup, ici, vous pouvez la faire deux fois. Donc, deux fois par jour, vous pouvez avoir un œuf mystique ou vous pouvez avoir une arme scellée d'Exerka, etc., etc. C'est pas mal. Et après, attendez, c'est pas fini. Il y a encore un autre event. De la dinde, en veux-tu, en voilà. Donc, c'est très simple. Il suffira de faire farmer, donc pêcher, le farm, la pêche, la récolte, et vous récupérerez ces trois compos. C'est un peu comme l'année dernière, je pense, hein. Je crois qu'on les avait eu l'année dernière, si je me souviens bien. Et donc, du coup, vous récupérez la dinde, la sauce, les pommes de terre. Ça vous fait un festin rôti, et le festin rôti, vous pouvez l'ouvrir et vous avez la possibilité d'avoir dedans un coffret de perles de 2000 perles.
Un lingot de 1000 G, dandelion, zircon, ouvert, oh, etc., etc. Vous verrez, il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà. Que vous dire de plus? Farm, boutique pour récupérer vos boîtes de Shakatou. L'offre d'or. Donc pas mal d'events pour récupérer des bons petits cadeaux. Moi je vais garder, je vous le dis comme ça, je vais farmer, je vais garder les dindes. Et à la fin de l'event, donc le 5, après le 5 décembre, on se retrouvera pour une petite vidéo pour l'ouvrage de tous ces dindes. Comme là, je vais faire bientôt la vidéo sur les boîtes de cadeaux qu'on avait eues. Je dois pas en avoir beaucoup, je dois en avoir 30-40 maximum, parce que j'ai pas trop farmé. Pas été très assidu, donc du coup j'en ai pas des masses, mais on va déjà voir avec 30-40 ouvertes à la suite si on arrive à choper des bons petits trucs. Donc moi en tout cas je vous dis à tout de suite sur le jeu pour vous montrer la quête de Florin, pour vous montrer les boîtes de Shakatou. Je vais pas vous montrer le farm truc, ça vous le verrez vous-même quand vous farmerez. On se retrouvera à la fin de l'event pour l'ouvrage de toutes les dindes. Donc je vous dis à tout de suite sur le jeu. La boîte. Donc tout simplement, il suffit de faire la virgule. C'est une quête, donc il faut juste la trouver. C'est une répétable normalement. Légende de Florin, voilà, c'est dans Sujection. Hop, 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 je me suis trompé, j'ai usé des points de labeur, c'est magnifique. Et donc du coup, après vous avez votre quête qui doit être. Je vérifie qu'il n'y en ait pas là. Ici, dans O, nouvelle quête, Légende de Florin, vous y allez. Alors, on est juste à côté. Hein. C'est le chef, là. On valide la quête. Hop, il nous donne une suite. Événement, compte de Fandor. Valide, valide, valide. Et donc, du coup, vous avez votre quête O. Et là. Tout simplement, il fallait chercher l'œuf en face. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé là. Je suis sorti ce matin et ça caillait à mort. C'était l'hiver. Le winter is coming. Donc, du coup, vous allez en haut. Et là, il va falloir choper un œuf. Donc, le but, c'est d'essayer de choper, de trouver la poule. La poule, la poule, la poule. C'est pas une poule, c'est une oie. Et de la suivre, là, elles sont là. Excusez-moi. Là, voilà, j'ai trouvé un œuf. J'espère que c'est bien ça. Apportez l'œuf en or. Vous l'avez. Elle va voir descendre, tout simplement. C'est tout simple, c'est easy, c'est assez rapide. Hein. Vous y foutez un halt et vous le faites tous les jours. Hein. Pendant la durée de l'event. On est un peu lent, hein, une fois qu'on transporte l'œuf, mais on va dire que ça se fait quand même assez rapidement. Donc du coup, moi je vais mettre la route tout simplement. Ok, il veut me faire faire un big détour. Hein? Je pense qu'il a un peu fumé le truc. L'autorun a un peu fumé. Vous voulez que je reparte l'œuf, je l'ai déjà en main. Donc on va de près de ces choses-là. R, vous lui posez par terre. R, j'ai apporté l'œuf en or. Continuer, valider. Et il vous donne une suite. Avant, on récupérait directement l'œuf. Maintenant, c'est à nouveau. C'est autre chose. Donc, on prend la suite de quête. Et donc, du coup. Et donc, du coup, si j'ai bien compris. Eh ben, si j'ai bien compris, il faut lui en ramener un autre, tout simplement.
Voilà, c'est nouveau. Ils ont fait une petite différence par rapport aux autres années. Donc c'est un peu plus long, mais bon, ça va se gérer. Bah, il faudra faire deux fois l'aller-retour. Il faut déjà emmener un neuf et il faut en emmener un deuxième derrière. Hop, on a récupéré l'œuf. Bon, il y aura du monde, hein. Faites attention, hein, il y aura toujours du monde. Et de temps en temps, je sais que l'année dernière, au dernier event qu'ils avaient fait comme ça, il y avait des petits malins qui s'amusaient à nous défoncer pendant qu'on ramenait l'œuf pour qu'on le perde et qu'on recommence. Donc faites attention à vous, normalement, il n'y a pas de souci, hein. Pom pom pom. Allez. On n'a pas l'air con tous avec notre œuf là. Je suis presque arrivé. J'ai apporté l'œuf en or. Validez, vous récupérez votre œuf en or mystique. Validez. Ah, il donne une SIC. Hein? Bah écoutez. On peut le refaire. C'est une première. C'est une toute première. Avant, c'était une fois par jour. Là, apparemment, c'est plusieurs fois. Écoutez, hein. Profitons-en, hein. Ils sont généreux. Bon, elle est où, l'oie? Elle a pondu son œuf, là. Voilà. Je suis surpris, hein. Franchement, je suis surpris, les gars. Bah, agréablement, parce que ça fait. Du coup, ça nous fait deux boîtes, là. Deux possibilités d'avoir une Zerka pour ceux qui le veulent ou autre chose. Je sais plus ce qu'il y a dedans. On va regarder. On va pas. Je vais pas les ouvrir. Hein. Malheureusement pour vous, je ne les ouvre pas. Moi, je préfère les stocker. J'ouvre tout à la fin. Comme d'ailleurs, je tiens à vous signaler qu'il y aura une vidéo quand j'ouvrirai toutes mes boîtes d'allégresse. Je crois que c'est ça. C'est les boîtes d'allégresse, les boîtes cadeaux, là. Que nous avions au dernier moment. Quand l'event sera fini, que j'aurai réuni toutes mes boîtes que j'ai fait avec tout mon farm, je les ouvrirai. Bon, j'ai pas farmé des masses, donc je ne vais pas en avoir 150 000. Hein. Je vais peut-être en avoir tout quoi, une petite 40, 30, 40. Hein. C'est pas énorme, mais bon. On verra déjà ce qu'on arrive à avoir dedans. Ça fera une petite vidéo de quelques minutes. Et ça vous permettra de voir ma chance légendaire. Vous allez voir, c'est affolant. Donc du coup, ici, on pose la boîte. J'ai apporté l'œuf. Évidemment, je veux mon œuf. Bah écoutez, deux fois, on peut la faire. Donc du coup, on se retrouve avec deux œufs. Deux gros œufs en or mystique. Et donc, dans l'œuf, vous pouvez avoir la boîte scellée d'Exarca, Nouveur, Ogre, Tungrad, Croissant, Séraph. Plein de petites belles choses intéressantes. Après, voilà, ça dépendra de votre chance. Donc du coup, moi, je vais laisser mon perso ici. On avait l'autre event. Il fallait acheter les boîtes. Alors, c'est les soldes, bien entendu. Ils ne nous l'ont pas officiellement marqué. On n'a pas eu un gros placard comme quoi c'était le fameux Black Friday. Donc, du coup, vous voyez, les mémoires d'artisans sont à 11, 11 perles. On va voir ce qu'il y a en promo. Hein. Ça, c'est quoi? Nouveau domestique, Ethan. On a un bonhomme maintenant. On va retourner voir. Là, c'est jusqu'à moins 72. Pour 1100 perles, on peut avoir quoi? C'est quoi ça? C'est un chat. Faut en choisir deux pour 1100 perles. Voilà, bon, c'est intéressant. Pour les gens qui ont besoin d'argent.
C'est pas mal de promos hein, quand même. Bon, le value pack est pas en pro, hein, bien entendu. Voilà. Mais par contre, j'ai pas trouvé. J'étais pas là pour ça. C'est peut-être qu'à partir de demain. Non. C'est ici. Donc ici, vous faites nouveau, tendance et nouveau. Vous avez vos boîtes ici. Donc à vous de choisir ce que vous achetez, soit la grosse, en sachant que la grosse, c'est valable jusqu'au 12 décembre aussi. 12 décembre. Donc pendant jusqu'au 12 décembre, vous pouvez acheter plein de petites choses. Il y a aussi ça qui est intéressant pour les gens qui n'ont pas de servante, c'est que vous pouvez en acheter 3 pour le prix de 2. Donc faites-vous plaisir. C'est le Black Friday. Moi personnellement, j'en ai pas besoin. J'aurais préféré qu'ils mettent le Value Pack en promo. Donc du coup, moi on se retrouve tout de suite. Je change de perso. Faut que j'aille chercher un perso qui est Avelia. Tout simplement, c'est là où j'ai mon argent stocked. Vous voyez, c'est un petit event rapide, hein. Les boîtes de Shakatou, F3, on les achète. Pour l'instant, on n'a que ça. Ils nous ont annoncé que ça, donc moi, je fais la vidéo sur ce que j'ai. Je vais pas faire la vidéo sur le patch note, sur les classes, tout ça, parce que je suis pas assez approfondi dedans, et puis je pense qu'il y en a d'autres qui le feront. Hein. Moi, c'est vraiment plus sur les events, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus dans le jeu, les events. Puis c'est toujours intéressant de parler des events étant donné que beaucoup de gens ne vont pas sur le forum. Donc j'ai oublié de vous préciser, ça, si je l'avais dit quand j'avais fait le petit pitch sur internet, la quête c'est à Florin. Donc vous allez, bah, l'esprit occulte d'abord, il vous dira d'aller à Florin et tout se passe à Florin. Donc vous pouvez récupérer deux boîtes. Je ne sais pas si ça sera tous les jours comme ça. En tout cas aujourd'hui, c'est deux boîtes. De œufs dorés mystiques. Donc nouveau tendance, et là vous achetez soit votre grosse boîte, soit votre petite boîte. Donc moi je sais pas. Je me dis là ça fait quand même 5 chances d'obtenir un truc. Donc sur tous les ventes, je pense que je vais prendre celle-là. Hop, hop, hop. Je pense que je vais tester celle-là aujourd'hui. On va les ouvrir ensemble. Parce que c'est par jour, hein. Donc voilà, j'ai 5 boîtes. Alors du coup, je les ouvre avec vous. C'est parti. Croisons les doigts. Croisez tout ce que vous pouvez pour moi. C'est parti. J'ai pas envie de regarder. Bon, magnifique. Molaire de baleine, ça va. Pierre noire, magnifique. Oh, pierre noire, encore magnifique. Ok, vaut peut-être mieux prendre les autres, hein, en fait. Vous avez une molaire, j'ai eu une molaire, j'ai eu 3 cris de balle qui est 60 pierres pour 5 banques pour 50 millions. Comment dire? Je crois que j'ai été rentable. Ça vaut combien la boucle d'oreille? Ah, ça vaut 44 millions quoi. Ouais, ça. Allez, ça me rembourse 3 boîtes. On va la mettre tout de suite tant qu'il n'y a pas trop de monde. À mon avis, ça maintenant, il doit y en avoir plein. Plus personne doit s'en servir de ces trucs-là. Il y en a 256. Ah, c'est 33 millions minimum. Ouais, voilà, ça fait 3 boîtes de remboursé. Si je mets les 60 pierres, ça fait quoi? Bon, ça, vous pouvez le mettre en max. Hein. Ça fait 12 millions. Ouais, presque. Les pierres, j'en ai pas besoin. Allez, ça fera un heureux. Histoire de s'en rentabiliser un petit peu. Voilà. Bon, on est perdant dans l'histoire. Hein. Je vérifie que j'ai rien vendu. J'ai rien vendu. Il n'y a rien qui se vend aujourd'hui. En même temps, je fais plus trop de trucs que ce qui se vend. Je vais reprendre la production. Bon, bah du coup.
Bah écoutez, du coup, moi je vous souhaite des chances, bonne chance pour quand vous ouvrez vos boîtes. La rareté, j'ai pas eu de bol, hein. Je pense qu'à partir de demain, je vais prendre la grosse boîte et les stacker et faire comme je fais d'habitude, les ouvrir à la fin. Tout simplement. Donc moi je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner, tout et tout, partager. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.